Aujourd'hui, je fais une petite vidéo parce que j'ai trouvé plein de terriers de blaireaux et tout. Donc, je tenais à vous le partager. Donc, on va y aller tout de suite. Alors, voilà. Il y en a une dizaine à peu près. Il y en a déjà un là. On en a un autre là, mais celui-là il n'est pas utilisé parce que sinon ils auraient déblayé le devant. Là on en a un autre pas mal qui va partir sous les arbres là-bas. Alors voilà, là on arrive à la salle vraiment principale où il y a vraiment tous les terriers et tout. Je sais pas ce que ça donne en vidéo. En tout cas, ça fait une sorte de rond circulaire où il y a plein de terriers autour. Il y en a un là, un petit là, ici aussi. Celui-là est à moitié rebouché, je sais pas pourquoi. Il y en a un autre là-bas, là. Donc voilà. Là on a, je pense que ce sont les principaux ici. On a deux là, ils sont vraiment pas mal. On voit des belles traces au fond, mais comme c'est pas assez lumineux, ici on en a une trace un petit peu. On voit pas assez bien. La dernière fois que j'y étais allé, on voyait bien une trace, mais là, avec la pluie et tout, ça a dû tout casser. Alors là, on voit aussi les endroits des griffes sur la roche, partout des traces de griffes. Là on en a dit pas mal. On voit là-haut, on a un autre petit chemin qui ramène à un peu plus loin. Je suis pas allé parce que c'est assez la galère, mais je compte bien aller voir au bout. Donc là on a un terrier qu'ils ont commencé mais peut-être rebouché, je sais pas, parce que il est rebouché. Donc on voit clairement les traces de griffes et tout sur la roche. Je pense pas que vous le voyez bien en vidéo, mais on le voit bien. Ensuite, on a un autre passage qui monte vers le haut par là. Donc je vais y aller par là, il monte par là et ça aboutit dans un autre champ. Donc là on est des endroits parfaits pour faire des affûts. Si jamais je veux faire un affût, j'ai vraiment plein d'endroits par ici. Étant donné que les blaireaux ils ont vraiment un odorat puissant, il faut vraiment se mettre loin pour éviter qu'ils nous repèrent. Si on avance par là, on a encore un terrier là. Ça je sais pas si c'est... Ça doit être de eux, mais... Il l'utilise plus, peut-être que c'est ancien. Là aussi on en a pas mal. Voilà. Donc moi franchement, pour faire un affût, pour pouvoir les observer facilement, je comptais essayer d'en faire un. Donc là-bas, dans les buissons. J'avais déjà fait un affût, mais on me l'a détruit. Je sais pas ce qui a fait, mais ils m'ont tout rasé, j'ai plus rien du tout. J'avais fait un bel affût, mais là derrière ces arbres là, ça serait vraiment pas mal pour faire un affût. On a un bon endroit, c'est suffisamment loin et on pourra faire un affût. On a une bonne zone où on voit vraiment bien un grand angle. Sinon j'aurais tous les petits buissons, les petits arbres qu'il y a autour, je peux réussir à faire un affût. Je pense aussi que je ferai une vidéo quand je ferai l'affût. Peut-être en timelapse. Enfin en accéléré quoi. Ou sinon on verra. Bon pour l'instant je me suis cassé le poignet donc je peux plus faire trop grand chose. C'est embêtant. Mais je compte bien faire des vidéos où je construis des affûts ou des cabanes. Surtout qu'ici c'est parfait pour faire des cabanes. On a des cabanes partout alors.
serait bien de faire une petite vidéo sur ça, plusieurs vidéos même. Après, n'hésitez pas à me donner des suggestions de vidéos, des trucs, des, je sais pas, des astuces, etc. Bon voilà, c'était tout. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Allez.